La méthode Coev va-t-elle devenir la méthode de Menibu? Entre 2003 et 2008, les deux animateurs ont fait les beaux jours de TF1 avec cette émission, toujours adorée par les téléspectateurs. Et plus de 15 ans après son arrêt, il se pourrait bien qu'elle revienne prochainement sur les petits écrans. CST en tout cas se quoi laisser entendre Coé sur son compte Twitter ce mardi 14 mars. L'animateur a en effet publié une énigmatique photo en compagnie de Cécile de Menibu, sur un plateau de télévision, devant des lettres lumineuses sur lesquelles on peut dire la méthode Coé. Bientôt, a-t-il seulement écrit en légende, sans donc en dire davantage, hormis de tagger C8. En commentaire, les internautes ont été nombreux à se réjouir d'un possible retour de cette émission sur l'antenne de la chaîne du groupe Canal+. On ne te voit pas assez à la télévision alors je dis oui. Ce duo avec Cécile de Menibu CIST un bonheur, il ne manque plus que mon pral et CIST parfait, quelle bonne nouvelle cette émission était une bouffe d'ailleurs, nostalgique de l'époque du jeudi soir sur TF1 je regarderai avec plaisir le retour de cette émission culte, j'adorais cette émission trop contente que ça revienne en espérant que ce soit à la hauteur, peut-on notamment lire en commentaire de cette publication. Mais d'autres internautes se demandent s'il s'agit d'un véritable retour ou d'un simple best-of ou d'une diffusion anniversaire. Cécile de Menibu, CIST une émission culte mais ce n'est pas la première fois que la chaîne C8 explique être intéressée par un retour de la méthode Coé sur son antenne. Dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2019, Cécile de Menibu révélait que le projet était toujours à l'étude, ça ne s'est pas fait l'année dernière pour des histoires d'agenda. Mais on y travaille avec Cyril, Hanouna, note de la rédaction, et Coé, a-t-elle confié. CIST une émission culte, alors a-t-on envie de refaire exactement la même chose? Ce qu'on faisait il y a 15 ans, on pourrait difficilement le refaire aujourd'hui. On se ferait défoncer sur les réseaux sociaux. On réfléchit donc à faire une émission qui soit plus en phase avec ce que l'on est aujourd'hui. On a quand même tous pris 10 ans dans la figure. Il faudra encore un peu patienter pour savoir si le retour de la méthode Coé est donc bien réel. Time's up.